Avec le froid, rien de tel qu'une soupe à l'oignon en gruyère gratinée. Un vrai souvenir d'enfance pour moi. Dans cette vidéo, je vous montre comment faire une soupe à la fois riche et goûteuse en juste quelques étapes. Coupez en fines lamelles 250 g d'oignons jaunes. Dans une casserole épaisse, faites fondre 35 g de beurre salé. Mettez-y les oignons et remuez jusqu'à ce qu'ils colorent. Petit secret, quand ils ont cette belle couleur, saupoudrez d'une cuillère à café de sucre. Ajoutez une gousse d'ail hachée, puis une cuillère à soupe de farine. Remuez pour faire brunir la farine. Versez 10 cl de vin blanc sec. C'est en option pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Mélangez et complétez avec 1 litre de bouillon de légumes. Poivrez, salez légèrement et déposez un bouquet garni. Si mes vidéos vous sont utiles, pensez à vous abonner. Laissez cuire une vingtaine de minutes. Pendant ce temps, coupez des tranches de pain en biseaux et faites-les dorer avec un peu d'huile. Je préfère ça à un pain complètement détrempé. Préchauffez votre four thermostat 8. Prenez un récipient en grès, en terre ou en verre. Déposez-y des tranches de pain parsemées de gruyère. Versez la soupe. À nouveau, mettez encore du pain. Faites-le couler un peu. Ajoutez du fromage râpé, un peu de poivre et de muscade. Faites gratiner à four chaud une dizaine de minutes. C'est prêt! Si vous aimez les soupes, pensez à aller jeter un coup d'œil à mes deux autres recettes que je vous mets juste ici. Et moi, je vous dis à très vite !